tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis basse parce que je sais pas où ça filme. Alors on va faire des petits beignets au yaourt nature. C'est tout simple et c'est super bon. Donc la malade Milianov va faire avec moi. C'est pas de ma faute si je suis malade. Ah bah non, c'est pas ça. Quand tu vas, bah nul va. Allez, c'est parti. Donc ça va être tout simple, vous allez voir. Donc nous on va faire la recette x2 parce que on a des yaourts nature, donc on va faire x2 et du coup vous allez voir la quantité de beignets. Donc vous pouvez faire que la moitié, hein. Donc 2 yaourts nature pour la recette simple. Nous on en a pris 4. Ouais, comme ça il y en a d'autres. Vas-y, tu peux vider tous les yaourts dedans. Par contre je vais enlever le jus. Ouais, le jus. Je le fais. Tiens. Tu peux t'aider de la grande cuillère, c'est pour ça que j'ai pris une grande cuillère. Non mais racle à l'intérieur avec la cuillère, chérie. Je ferais. Voilà. Donc nous on prend, tu vides bien le pot. On prend 4 yaourts nature, les amis. Vous allez voir, c'est tout simple. Et ça fera une petite recette à part. Ça sera pas dans le vlog, ça sera une petite recette à part. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez rester avec nous tout le long de la recette. Donc vous mettez 4 pots de yaourt, c'est vraiment tout simple. Là je vous fais la recette x2, hein, donc si vous voulez simple, du coup 2 pots de yaourt. Là pour la recette x2, du coup il nous faudra 4 pots de farine, donc sinon vous en faudra que 2. Et pour la recette simple, il vous faudra une demi-cuillère à café de levure chimique, donc nous on va prendre une cuillère à café complète. Du coup, voilà. Je vais prendre une autre cuillère. Hop. Mes grandes cuillères, elles ont disparu. J'en ai plus beaucoup des grandes cuillères, c'est bizarre. Je vais commencer à préparer les pots de farine. Oh, lui, il a été vite. Le temps que Mel, elle met les... Moi, il y en a quelques-unes qui sont collées. C'est pas grave. Le temps que Mel, elle met les yaourts nature, moi, je vais mettre la farine dans les pots. Hop. Du coup, bah, on va utiliser les 4 pots. Hein. Hop. Un pot de farine. Ah, lui, il a été dur. Lui, il voulait pas sortir, lui. C'est vrai. Lui, il voulait vraiment pas sortir. Je sais même pas combien j'avais fait là. Ils veulent pas qu'on mange le beignet. Bon bah ok, on en mange 2. 2 pots de farine. C'est vraiment une recette toute simple. Nous quand il nous reste des yaourts nature et soit bah, qu'on les mange pas, soit que la date elle est un peu passée, on fait des beignets. Voilà, donc Mel elle a mis c'est tous ses yaourts. Et maintenant elle va pouvoir vider ses pots de farine. Je mets où au sol. Voilà, donc elle peut mettre ses 4 pots de farine maintenant. Hop. Je vais peut ranger ça. Je vais nettoyer après le travail, c'est pas grave. Vraiment simple hein, comme recette, franchement il n'y a pas plus simple hein, pour faire des bons beignets, des parce bons... que franchement plus, ils sont super bons les beignets. En plus c'est super bon, ouais. C'est trop bon, on a déjà goûté et si vous voulez pour que ça soit beaucoup meilleur, et ben vous pouvez fondre du chocolat. Vous faites fondre du Nutella et vous trempez vos beignets dans le Nutella. C'est délicieux. Et vous, sinon vous saupoudrez avec du sucre glace, d'ailleurs nous on n'a pas de sucre glace je crois. On n'en a plus. Ouais, du coup on va être... Bah, je vais devoir faire du sucre glace maison les amis. Parce que du coup j'en ai plus. Ouais, il en faut dans la recette. Ah, normalement t'en mets au-dessus. Oh. Voilà, et on va ajouter une cuillère à café de levure et on va tout bien mélanger. Je le fais. De quoi? Ça. Tu veux mettre la cuillère? Ouais, c'est bien. Non, tu le fais, moi je mélange. Ah. Je mélange avec quoi? Avec le fruit, j'ai pris le fruit. À côté de toi. Bah, tu vois pas clair? Donc une cuillère à café, hop, de levure. C'est parti. Mais elle va pouvoir bien tout mélanger. Il faudra un peu de lait. Ah non, il faut remettre de lait. Hein. Oh, c'est simple. C'est simple à mélanger. Les amis, je vais commencer à allumer l'huile.
Et l'huile, je la fais l'huile, je la fais toujours monter à peu près 140-150 degrés. C'est bon. Voilà. Maman, j'ai déjà faim. La recette, elle est déjà trop bonne à mon goût. Wesh. Allez, on va manger. Pourquoi c'est... C'est qu'un yaourt. On n'a pas mis de... On n'a pas mis de lait. Il n'y a pas de lait. Dedans, c'est que de la farine, du yaourt et de la levure. Bizarre. Bah non, c'est pas bizarre. Tu peux m'aider? Parce que j'arrive plus à mélanger. Ouais, c'est dur avec ça. Ah ouais, c'est dur. Mais on n'en voit pas sur moi, hein. Heureusement, c'est blanc. Ah non, là, c'est plus blanc. Ouais, la farine. La farine qui est blanche, les amis. Je récupère, hein, parce que le plan de travail est propre, hein, vous inquiétez pas. Oui, il est très propre. Je viens juste de tout nettoyer ma cuisine en plus. Ouais. Je pensais pas dire ça un jour, mais... Vous voyez, même pour 4... 4 yaourts, ça fait pas énormément de pâte. Ok, on en met 6. On en met 6. Imagine. Oh. Voilà, imagine, les amis. Encore, imagine, on en mettait 10. Tout simple, on a une belle pâte à baigner. Ouyo. Heureusement que j'ai pas lavé le sol encore. Oh. On a une belle pâte à baigner au yaourt. Maintenant, je vais vous mettre de l'autre côté, les amis. Et je vais vous montrer. Mais pour l'instant, je fais chauffer l'huile et je vous reprends. Bon les amis, l'huile elle est à peu près à 140, donc je vais commencer à faire cuire. Mais là, on est en train de préparer derrière le pot de Nutella. Sucre glace et de Nutella qu'on va faire fondre. Comme ça, on aura des bons beignets avec du Nutella fondu et du sucre glace. C'est bon, on a retrouvé un pot de sucre glace, hein, donc je n'ai pas besoin de le faire moi-même. Puis je vous montrerai du coup notre petit plateau. Mais au moins, je vous fais une petite vidéo pour faire des petits beignets pour ce dimanche. On est le dimanche combien? Je ne sais même pas. 15. Moi, ouais. Dimanche 15 septembre. Bah, maman, c'est bizarre. Quoi? À l'école, on était. Oh, c'est parti, les amis. On était 09-24. Mais après. Pourquoi c'était le 0-11-24? Voilà, et là du coup, hop, Mel elle prépare, on va faire fondre vite fait un petit peu au micro-ondes quand on va manger. Avec le sucre glace. Ouais, tu peux en remettre. Et après du coup, on va faire le petit café. Café, café. T'arrives pas, chérie? Hop, voilà les amis, petite vidéo avec moi. Et le temps que je prends mon goûter et tout, là, notre goûter, je vais faire le montage pour le vlog de ce soir que je n'ai toujours pas fait. Et il est quelle heure? Bon, il est 16h, ça va. J'ai 2h pour faire le montage. Mais bon, c'est un long vlog quand même parce que c'était le vlog du mercredi. Donc c'est un long vlog quand même à faire. Voilà, je pense qu'on va avoir pas mal de beignets quand même. On aura assez pour tout le monde. Oh oui. Ah. Bah oui. On est qu'à 5. Hein. Mathieu, il est pas là et Dada il est reparti. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Bah, comment ça, Dada il est reparti? Bah oui, Dada il est reparti chez lui. Parce que je me suis compté et normalement il devait être 6. Bah non, Mathieu est pas là. Ah bah ouais. Voilà les amis, donc je fais cuire ça. Je vais pas vous garder, je pense, tout le long de la cuisson. Parce que sinon ça va être trop long pour vous. Encore ? Et je vous retrouve dès que c'est cuit. Je vous montre en fait, on prépare le petit plateau, les petits cafés, et on va se régaler. Bon les amis, Mel a fait les petits cafés. On a sorti les crêpes qui restaient d'hier. Du coup les beignets avec recette x2, j'en ai fait 46. 46 ? Ouais. Et on avait dit 40. Sucre glace, chocolat fondu, et nous on va aller prendre notre goûter. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo recette facile beignet yaourt nature vous aura plu. Je pense qu'il y en aura assez. Oui, il y en aura largement assez.
J'espère que cette petite recette vous aura plu. Nous, on va aller se régaler, hein, clairement. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et si on veut, on peut ajouter toutes les petites boîtes de bonbons là-bas derrière. Vous voyez? C'est super comme goûter. Hein. Qui va se régaler? Moi. Moi. Maman. Des gros bisous les amis. À bientôt. Bisous.